Salut et bienvenue sur la petite pause JDR. Alors, avant de vous laisser à votre vidéo, je tenais juste à vous passer ce petit message pour vous dire que donc cette session, plus peut-être une ou deux sessions qui suivront, font partie du scénario d'initiation du livre des 5 anneaux. Donc, pour tous ceux qui auraient prévu de participer en tant que joueur à ce jeu de rôle, bah, ce serait préférable de ne pas regarder, car sinon ça va vraiment vous gâcher l'aventure, gâcher l'expérience. Ce serait vraiment dommage. Du coup, arrêtez-vous là tout de suite. Sinon, pour les autres, eh bien, je vous souhaite un agréable visionnage. J'espère que bah, vous apprécierez cette session. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, qu'il soit bon ou mauvais, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite bonne soirée et bon visionnage. Salut! Dans un monde où l'honneur est au-dessus de tout, où les clans les plus puissants jouent d'influence pour faire grandir leur pouvoir, quatre jeunes hommes issus de ces mêmes clans pourraient bien connaître une destinée bien plus glorieuse que celle qu'ils avaient imaginée. Mais pour cela, ils auront de nombreuses épreuves à traverser. La gloire n'est pas une fin, seul l'honneur compte. En auront-ils assez pour pouvoir écrire leur nom dans le livre des 5 anneaux? Donc là, vous êtes sorti de la maison du saké rouge, tenue par le clan Scorpion. Vous avez bien cuvé l'alcool de riz. Vous êtes rentré à votre habitation qui a été offerte par le vieux que vous avez rencontré sur le chemin à Tsuma. Et vous commencez à vous reposer chacun dans vos petits futons. Quant au lendemain, le jour commence à peine, que certains d'entre vous, donc on va commencer peut-être par le plus studieux, qui est Muromoto Kimimitsu, tu te lèves pour aller faire tes katas matinales. Tu t'entraînes mentalement et physiquement pour le championnat de Topaz. Donc tu pratiques les mouvements du clan dragon qu'on t'a enseigné. Tu répètes les techniques ancestrales du dragon. Exactement. Tu es celui qui s'est levé le plus tôt. Les autres, vous êtes un peu plus portés sur autre chose que l'entraînement matinal. Tu t'entraînes devant ce petit bassin. Mmh. Ici. Tu vois que tu commences à faire qu'un avec tes lames, tu commences à couper le vent, tu vois qu'il y a des pétales de sakura qui commencent à venir et tu essaies de les trancher pour t'amuser. Et enfin, après ton entraînement, tu vois, tu as un peu transpiré, tu commences à prendre, tu vois, le type bassine d'eau, tu te fais des balbutiements, tu commences à te laver le visage et tout ça. Une petite toilette, quoi, rapide. Une petite toilette pour rester propre. Exactement. Et pas être plein de sueur. Pas de sueur, non, 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 pas de ça, s'il vous plaît. Les autres, vous vous levez, donc Moto Temujin et Doji Airo, vous êtes tous les deux levés de la même chambre. Alors Moto, toi, tu sens que la veille, c'était... T'as peur d'avoir fait des conneries parce que t'avais vraiment fait des rêves extrêmement bizarres. Oh Doji-san, veuillez m'excuser pour mon comportement d'hier soir. Ça, c'est de rien, vous avez dormi comme un loir. Mais t'as une énorme soif. Par contre, tu pourrais boire toute une bassine que buvrait ton cheval, tu vois. Ah oui, bah je vais me presser d'aller dans la réserve pour boire quelque chose, j'imagine. Tu vas dans la réserve, il y a encore un peu des points d'eau dans la maison qui vous permet de boire, en fait, simplement. Vous êtes en train de vous éparpiller, donc Doji, toi, tu te mets un peu dans la salle principale. Depuis cette salle, tu arrives à voir l'extérieur.
donc pour dire que certaines des portes sont ouvertes. Et tu vois Muromoto aussi en train de se laver et en train de se sécher son kimono. Et commencer à se faire une petite position du lotus. Voilà. Position du lotus, rien à voir avec le Kamasutra, hein, je rappelle. C'est un mouvement de yoga pour la concentration et la méditation. Exactement. Et enfin, Yoritomo, toi, tu as les bras très lourds. Tu sens que, comme si, durant la nuit, quelqu'un t'aurait plaqué et se serait assis sur toi. Tu as mal au ventre, tu as mal aux jambes. Et tu as un peu de mal à te lever. Tu es éveillé, mais tu as un peu de mal à te lever par toi-même. Si bien que tu fais une roulade, tu rampes un peu, tu t'accroches à ce que tu peux. Et tu fais beaucoup de bruit, ce qui vous alerte un peu tous. Parce que vous entendez des choses tomber dans la pièce où il y avait Yoritomo. Et vous voyez vraiment votre ami très mal en point. Vraiment, vous avez l'impression qu'il a eu plus que sa dose d'alcool et qu'il est redevenu à un état végétatif. Du coup, j'arrête ma séance de méditation et je vais à l'endroit où du bruit, là où j'ai entendu du bruit, parce que je sais pas forcément que c'est... Ça fait un bon bruit assez sourd. Tu penses que quelqu'un a dû faire une chute ou qu'il se passe quelque chose. Ça t'a étonné, et en te retournant, tu vois que les deux autres aussi ont réagi en tournant la tête vers l'intérieur de la maison. Et ben donc je rentre et je me dirige vers l'endroit. Vous vous direz, j'ai tous vers le bruit, c'est vrai que vous retrouvez Yoritomo. Lui, avec le kimono un peu défait, comme il a rampé, vous voyez vraiment une pièce qui a été... Pas mal de choses a été renversées, dû à là où il a essayé de s'accrocher. Ils arrivent avant moi, Moto et Doji. Vous êtes en même temps. Franchement, il y a quelques pas de différence. Moi, je le mets, j'essaie de l'asseoir déjà. Non, mais j'ai. Ça va. Continue de débrouiller. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Que se passe-t-il, Yoritomo-san ? Pas mon rêve, simplement mon rêve. J'ai mal dormi. Je suis réveillé un peu trop vite. Vous inquiétez pas. Tu as tout de même l'air souffrant. Là, c'est pas vraiment des. Non, vous inquiétez pas. C'est rien. Souhaiterais-tu que nous trouvions une médecine pour te guérir ? Non, ne vous inquiétez pas, un simple thé me suffira à me sentir mieux, je pense. Très bien. Là-dessus, tu essaies de reprendre tes forces, quelqu'un va préparer le thé, hein. Vous servez un peu du thé pour tout le monde, un peu matinal. Vous commencez à prendre un petit déjeuner et tu reprends tes forces, Yoritomo. Et c'est vrai que bon, t'as pas l'impression que c'est l'alcool qui a dû faire ça, t'as certainement fait des cauchemars. Et... tu as peut-être dû à un manque d'hydratation, tu étais comme ça. Tu penses vraiment qu'il s'est passé quelque chose la nuit, mais que là, ça va beaucoup mieux. Bon. Vous êtes tous dans la pièce principale. Vous êtes en train de manger votre dernière portion de riz chacun. Quand vous entendez à l'extérieur une certaine agitation. Il est de la maison, à proximité. Il est quelle heure à peu près ? Comment, enfin, on pourrait estimer quel Alors, moment est, de la journée ? Il est entre 8h et 10h. Nani ? C'est toujours pas tranche de 2h que je m'exprime. Hein. Je vais me lever et aller voir ce qui se passe personnellement. Tu vas te lever et là tu vois qu'il y a des préparatifs qui sont en cours. Beaucoup de gens et beaucoup de chahuts sont en train de préparer l'arrivée de l'empereur. Ah. Donc tu as des étals, tu commences à voir des banderoles, de la fête, tu entends de l'agitation, des animaux qui circulent juste devant votre maison, des personnes en train de planter des poteaux avec des massues tous ensemble. Et vous voyez en train de s'ériger, le village de Tsuma est en train de changer pour accueillir l'événement. Et oui, il y a des étals qui commencent à s'ouvrir, vous sentez de la nourriture, des brochettes de poisson un peu frites. Vous sentez aussi l'odeur du riz bien cuit et bien gras avec toutes les odeurs qu'on adore dans les restos chinois. Vous faites un peu un petit tour, vous regardez et puis vous voyez que quand même ça a l'air de s'activer et vous pensez que ça a l'air d'être l'événement principal de la ville.
retournez à votre maison et vous me dites ce que vous faites durant votre journée. Du coup, maintenant que l'incident avec Yoritomo est passé, que tout ça est un peu retombé, je vais retourner un petit peu à ma méditation, à ma concentration et retourner en position du lotus. Ok. Tu passes combien de temps sur ta position du lotus ? Oh, une petite heure, hein, pas plus. Très bien. C'est vraiment. C'est par tranche de demi-heure normalement, donc. Ouais. C'est parfait. Donc une heure, tu vas essayer voilà, de faire ta méditation, essayer d'enlever tout le stress que tu as eu et peut-être même éjecter l'alcool de ton oui, corps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il faut dire que tu as bien bu, mais on verra ça dès que tu me feras un jet de méditation. D'accord. Les autres, vous en avez pour un certain temps. Hein, vous savez pas, le tournoi commence que demain. Moi, je compte, quand j'aurai repris un peu de force, prendre une tasse de thé et aller la déposer à l'hôtel vers la petite mare et prier un peu une petite demi-heure et puis retourner à mes affaires. Tu remarques que l'hôtel est un truc et une structure très bien ouvragée, taillée, qu'il y a à l'intérieur, tu n'arrives pas à discerner, mais il y a une petite statuette, certainement une fortune. Tu ne saurais pas dire quelle fortune est-ce. Mais tu vois un mône du clan de la grue sur chaque coin de l'hôtel et tu commences à prier pendant que Muromoto est en train de méditer. Moto. Alors, bien moi je pense que je vais peut-être sortir dans la rue et peut-être aller me promener dans la ville pour regarder les préparatifs de la fête et faire un petit tour par la boutique du clan de licorne. Ouais. Les boutiques exotiques du clan de la licorne. Voilà, l'exotique et fabuleuse boutique du clan de la licorne. Très bien. Doji, tu proposes un peu à tout le monde de t'accompagner ou tu veux y aller seul ? Bien, je préfère y aller seul. Donc, j'avertis tout le monde que je vais dehors, mais voilà. Et Doji ? Moi, de mon côté, je vais aller me balader un peu en ville pour visiter un peu la ville. On n'a pas eu trop le temps de la visiter en détail. Toi, tu connais bien la ville, mais après, oui, c'est vrai que lors de ce festival, la ville est transformée. Exactement, vu que c'est sur les terres du clan de la grue, autant en profiter vu que je suis en terre inconnue pour bien admirer le festival. Oui, donc j'ai commencé par Mirumoto, donc toi tu fais une heure de méditation. Et une bonne méditation. Une bonne méditation. Et tu te concentres vraiment sur ça. La première demi-heure, tu commences à essayer de te vider l'esprit. Et il y a quelque chose qui vient justement te piquer l'attention, c'est la fille que tu as rencontrée hier, mais tu fais le vide. Tu oublies les désirs charnels. Tu oublies le championnat de Topaz. Tu oublies même tes amis. Et puis tu finis ta méditation. Pour le prochain jet que tu feras une augmentation gratuite. Merci. Note-le, hein, si n'oublie pas. Ouais. Dans la journée, hein, je veux dire, dans la journée. Sur les pourcentages. Yoritomo, bon, ça dure pas longtemps tes prières. Bon, il y a Moto qui commence à partir et Doji aussi. Moi, je me. Lorsqu'ils vont partir, je me rends avec eux ensuite pour aller. Alors, avec eux, avec qui ? Avec Doji pour aller ensuite, peut-être aller vers les quais où il y aura le bateau de l'empereur. D'accord. Ah, du coup, j'ai joué vous deux avant Moto. Vous commencez un peu à vaguer dans les petites rues de la ville. Très charmant, il y a beaucoup de personnes qui sont venues pour l'événement, venant de toutes parts du clan de la grue, et même d'autres parts. Et au moment, vous vous retrouvez vers les docks. Et là-dessus, vous voyez que tout le monde dégage tous les gros bateaux. Ça commence à faire la place, le quai a été retapé, il y a des gens qui sont en train de mettre des planches pour faire l'estrade, qui, enfin l'estrade,
le pont qui permettra à l'empereur de d'arrimer. Vous êtes au début d'après-midi. Vous êtes là-dedans, il y a beaucoup de chantiers, mais pas de samouraï encore. Mmh. Donc là-dessus, que faites-vous près des quais? Ils savent pas, ils admirent à la vue. Ah oui, non mais... Il y a quoi? La magnifique jetée. Donc il n'est pas encore arrivé là, le... Il devrait arriver aujourd'hui, mais pour l'instant tu le vois pas. Sachant que c'est pas la mer que tu vois, mais un fleuve. Ah oui, oui, c'est une ville pluviale. Mmh. Je vais faire le tour des boutiques autour des fleuves. D'accord. En attendant l'arrivée. Tu vois que c'est plutôt des boutiques basées sur l'artisanat et la pêche. Il y a très peu de boutiques pour samouraï. Et enfin, en faisant le tour, vous commencez à voir pas mal de états. Les personnes ne se trouvant ici que pour une seule et bonne raison, c'est pour enlever déboyauter les poissons. Et vous sentez l'odeur justement de la chair marine traînée depuis quelques jours certainement à proximité de leur campement. Parce que c'est un petit camp de état où ils se trouvent. Il y en a quelques bicoques avec des femmes, des enfants et des hommes vivant à même les déchets des écailleurs ou des boyauteurs. Ils sont à proximité des quais, ces gens-là ? Oui, oui, mais tu vois qu'ils sont en train d'enlever les boyaux des poissons. Ils le jettent soit à la mer, soit ils le mettent dans un tas. Et tu sais pas après qu'est-ce qu'ils en font. Voilà. Moto, toi qui te balades dans Tsuba, tu vas à la boutique du clan de la licorne. Donc, merveilleuse boutique, avec un mône pourpre et une licorne qui représente vraiment la fierté de ton clan. Tu vois que les shops, en soi, c'est quand même une grosse baraque, hein. Je veux dire que c'est quand même un truc assez large, mais il n'y a pas, tu le sais déjà, mais il n'y a pas d'armes ni autre chose vraiment gaijine. En rentrant à l'intérieur, tu vois un membre de ton clan, Inyashimase, tu vois, qui commence à prononcer ton arrivée, et il te montre, tu es en train de regarder dans les étals et tu vois vraiment des petites statuettes, des vêtements, des bottes à neige, tu vois aussi des petites maquettes, des boules en verre avec de la neige dedans, des petits bijoux, des pièces de monnaie, de l'argenterie, etc. Mais tout ça un peu exotique, voilà. D'accord, très bien. Donc c'est un marchand, j'imagine, qui s'adresse à... enfin, qui m'a dit bonjour. Oui, c'est le marchand, c'est un membre du clan de la licorne. Ah, donc c'est un samouraï. Certainement. Bien le bonjour. Bonjour, samouraï du clan de la licorne. Ah, vous êtes un ID, c'est ça? Je suis un moto. Ah, j'ai mal reconnu votre nom, ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu de clan de la licorne, enfin, pour ainsi dire, plus de 2 ans. Y a-t-il des nouvelles venant de l'Ouest? Tout est calme pour le moment, les plaines sont toujours aussi vertes et... Ah. Les steppes toujours aussi vides, pour notre plus grand plaisir. J'avais appris que notre dernier clan se fait fatiguer ces temps-ci. Il est vrai, mais je pense qu'il a encore l'énergie et la force pour tenir très longtemps. Crois-tu qu'il va entreprendre... Alors, j'ai plus le nom en tête, mais le terme en japonais, c'est pour exil, le dernier voyage. Crois-tu qu'il va entreprendre le dernier voyage? Donc un exil? Pas maintenant. Le moment ne paraît pas opportun. Et tu dis de ne pas avoir de contact avec les membres de notre clan?
Bah, la dernière personne à être venue, c'était il y a seulement quelques jours, mais je n'en croise pas énormément. Et disons qu'ici, ils sont peu admis et un peu riés. Je viens te voir pour te demander une faveur. On se tutoie. Je viens vous voir pour vous demander une faveur. Non, mais t'en fais pas pour le protocole, fiston, parce qu'il est plus vieux que toi. C'était juste la remarque. Pour une faveur, mais qu'est donc cette faveur? Eh bien, mon père devrait arriver d'ici, incessamment sous peu, et j'aimerais être mis au courant quand il arrivera, et je pense qu'il passera par votre échoppe. Pourriez-vous m'informer, par un pli ou quelque chose de similaire? Je vous en serais très reconnaissant, et je serais... Vous habitez au dojo? Non, j'ai une petite maison au sein de la ville que je partage avec trois de mes futurs adversaires. Oh, très bien, très bien. Vous participez au tournoi de Topaz. Mais oui. Pour vous dire que simplement, si votre père est là, il a dû se faire signaler, ou du moins il a dû se présenter certainement au dojo. Oui. Enfin, du moins j'espère. Mais c'est-à-dire que vous connaissez la réputation de mon clan et... De notre clan, oui. Oui, de notre clan, désolé. Enfin, de votre enfin, famille. De ma famille, voilà. Excusez-moi. Et donc, j'aimerais bien l'aider, car il est quelque peu... Oui, je comprends. Je vous en ferai pas. Là, tu donnes ton bâtiment et il te dit que si tu veux regarder sa marchandise, il n'y a pas de problème. Hein, mais... Voilà. Disons qu'il a fort à faire, qu'il a bientôt. Il va préparer, disons, certaines activités pour l'empereur. Il te fait clin d'œil. Et là-dessus, il est en train de préparer des choses. En tout cas, si vous avez besoin de la moindre chose, n'hésitez pas à venir me voir. Je retire, c'est vrai. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie grandement pour la faveur que vous m'accordez. Je retire mon possal. J'aurais dû dire mon possal. Et tu t'en vas, tu quittes le bâtiment. Et qu'est-ce que tu croises en sortant de ce bâtiment? Ton armure s'entrechoque avec celle d'un autre homme, tout plus grand. Très robuste, avec un bras en moins, une énorme balafre. Est-ce que j'ai une petite photo? J'ai pas la petite photo. Je crois que je l'avais pas trouvé, donc. Des moustaches très fines, un petit bouc. Il est vêtu de peau de bête avec un casque en fourrure. Tu le reconnais en étant ton père, Moto Aeretsu. Bien sûr que lui, il a pris un nom non gaijin. Il a pris le désavantage estropié. Tu le regardes et tu vois qu'il, surpris de votre rencontre, croyant que c'est le destin, te fait un énorme poignet de main et te dit « Mon fils !» Père Thierry Smar, je suis content que t'aies pu arriver en vie jusqu'ici. Oh, mais vous savez, père, la route est bien fort peu dangereuse sur les terres du clan de la grue. Ouais. Son prospère est bien gardé. Aucun mordi ne sévit. Vous êtes-vous présenté, père, au dojo? J'allais d'abord saluer... un fils d'un de mes amis, mais c'est vrai que j'ai oublié à chaque fois qu'il y avait ce protocole. Eh bien, allons-y vite. Tu vois quand même que le bras qui n'est pas estropié est quand même. Ça fait la taille d'un tronc d'arbre. Et qui porte à sa ceinture un immense cimetière. Déjà. Et hyper intimidant quand les gens le voient dans la rue, tu vois que. Ils font une petite coupée décalée pour l'éviter. Père, à ce que je vois, toujours aussi peu discret. Oh, ils sont pas habitués à avoir des vrais guerriers ici.
Oh, vous savez, je pense qu'ils vont bien nous donner des fils à retordre dans les épreuves qui sont à venir. Tu t'es entraîné. Tu dois faire honneur à notre clan. Et à notre famille. Tu dois gagner ce tournoi. Bien évidemment, mon père. Je vous promets de rapporter la victoire. Tu vois qu'il commence à faire un large sourire. Et il dit... Tu dois vaincre tes adversaires. Tu dois montrer à quel point le camp de la licorne est puissant et fort. Et comment il faut les craindre, tu vois. Et après, il rote un petit peu. Père, pas en public. Et tu vois, il s'excuse. Il dit qu'il a fait déjà un tour à la maison du Saké avant de venir. Et il te demande justement si tu n'aurais pas un peu d'argent. Emprunter de l'argent, c'est quelque chose de pas super. Et pour quelle raison avez-vous besoin de cet argent, père ? Oh, pour boire un petit peu et me payer quelques plaisirs, en attendant bien sûr que l'empereur arrive. Je vais bien me tenir, tu me connais. Oui, mais il faudrait passer d'abord par le dojo, vous avez encore oublié. Ah oui. Bon. Ah aussi, je suis responsable de tous les licornes qui participent au tournoi. Apparemment, vous êtes au nombre de deux. Ça va. J'espère que vous n'allez pas vous marcher dessus. Et ouais, connais-tu... Oui. Je vais prendre connaissance, je crois que c'est un autre de moto. Non, c'était peut-être une idée. Une ? Une idée. C'était un jeu de mots. C'est très gentil. Bref. Oh. Donc. Très bien, allons-y, pressons-nous. Non, mais je vais y aller. Toi, t'es à t'entraîner, hein, pour être fort. Pour faire fier. Oui, mais. Père, promettez-moi que vous allez y aller. Oui, j'y vais. Sans détour par la maison du saké. Oui. Ah, samouraï, il parle avec honneur, bien sûr. Disons que lui il en a un, mais ça. Tu ne le sais pas. Tu vois que. Il te regarde intensément, tu vois, et qu'il voit que t'as une mauvaise mine quand même. Mais qu'il est content de te voir que tu commences à voir le duvet de ton père. Il va falloir que je me rase. Il te dit que dès que tu deviendras samouraï, il faudra te trouver une femme. Ah oui. Il y a plein dans le clan qui ne cherchera que les faveurs du champion de Topaz. N'est-ce pas, tu vois. Allez. Et là, tu vas faire un petit jet. Savez... Tu vas faire un petit jet aussi. Parce qu'il parle de femme. J'utilise ton désavantage comme un gros connard que je suis. Oh non. Aussi. Donc du coup, je vais devoir faire un jet de vide. Alors, tu vas devoir faire un jet de quoi déjà? Il me semble, alors. Je vais regarder, c'est pour ça. J'ai dû le noter. Alors ouais, ND plus 5. Le ND plus... Ah, donc j'ai pas de G à faire. Non, je dépense un point de vide. Voilà, tu vas dépenser un point de vide pour quitter cet état. Tu sens que ton cœur, à cette annonce, est un peu bouleversé. Sachant que tu seras obligé de passer par là, tu seras obligé de te marier, ensuite d'avoir des enfants, et ces enfants vont eux-mêmes avoir des enfants, etc. C'est la vie d'un samouraï. Mais cette idée te remplit de chagrin. C'est tout pour toi. Ton père, te voyant un peu partir dans les nuages, te dit que peut-être qu'il devrait y aller maintenant et qu'il reviendra te retrouver peut-être chez toi. Oui. Je loge dans une petite maison à l'intérieur de la ville avec quelques autres futurs adversaires. Et je lui donne l'emplacement. Tu vois qu'il n'a pas trop bien compris les dernières phrases, mais qu'il a entendu que tu as une habitation. Donc pour lui, il sait où il va dormir ce soir. Hop, il s'en va. Tu vois, tu restes dans ta mélancolie, hein, tu t'appliques nous. Et puis, tu rejoins un peu de temps après la maison. Et tu retrouves Murmoto qui a fini ses exercices, très en forme. Tu vois que là par contre, toi tu vois que le type là qui est devant toi
a plus de chances dans son état actuel de gagner le championnat que toi. Faut que tu te reprennes en main. Et tout le temps après, Yoritomo et Doji, vous, en revenant tranquillement des quais, vous voyez qu'il y a un coursier qui arrive dans les rues, etc., qui signale à chaque fois que l'empereur a enfin, la barge de l'empereur a enfin franchi le détail du fleuve, la barge de l'empereur a franchi le détail du fleuve. Tout le monde doit se réunir au quai, tout le monde doit se réunir au quai. Ben, moi j'y retourne. Non, ben, je vais aller chercher le compère. Vous retrouvez, vous allez justement tous au quai en allant accueillir l'empereur, cet empereur. Ah, attends, non, j'ai pas le présenté tout de suite. Vous voyez vraiment se rapprocher du quai. Donc là, vous êtes des dizaines et des dizaines de samouraïs devant les quais, plus tous les états, les zénines, pardon, qui se sont rassemblés pour accueillir l'empereur dans cette ville très petite. Donc c'est quand même un déplacement assez particulier. Et la première vision que vous avez de la barge impériale est vraiment le reflet du soleil, sur le mât qui surplombe vraiment les pavillons, le pavillon impérial. Donc c'est une chrysanthème. Vous voyez vraiment ce navire immense. Toi-même, Yoritomo, tu ne penses pas qu'il n'existe plus grand navire que celui de l'empereur. Si bien qu'il y a des centaines de rames qui sont en train de fouetter l'eau à un rythme déchaîné. Vous voyez vraiment la vitesse de l'embarcation aller vraiment extrêmement vite, à tel point que vous dites qu'il peut peut-être se heurter à la berge. Mais enfin, il savent bien manœuvrer. Tu penses que c'est certainement un membre du clan de la Mante qui est aux commandes. La voilure est d'une couleur verte émeraude. Des hommes d'équipage commencent à s'affairer tout autour. Vous voyez vraiment sur la barge de l'empereur, il y a une catapulte, des balistes et plein de cordages. Enfin, vous voyez qu'il s'arame tout doucement. Ça prend beaucoup de temps de manipulation. Vous êtes vraiment tous debout. Attendez, excusez-moi. Pour humer le temps, c'est ça? Ouais, c'est le temps. Comment ça, le vrai temps, en fait. Là-dessus, vous entendez des personnes commencer à parler, mais enfin, des hurlements de joie. Donc, je vais mettre une autre musique, peut-être que vous pouvez m'aimer. J'ai rien. Donc des hurlements de joie, ce qui s'élève tout autour de vous, la foule encourage et demande de voir l'empereur devant leurs yeux. Et enfin, la passerelle se met et vous voyez un panel, un épouvantail, j'ai envie de dire, de samouraïs qui se tiennent devant. Vous êtes en rang devant cette embarcation et vous apercevez enfin l'empereur et son entourage. L'empereur a quand même un visage assez âgé, aigri, un regard très menaçant, une barbe très soulignée, mais une coupe de samouraï. C'est un de taille 39, si je dis pas. Non, 38, si je dis pas de bêtises sur les nombres romains. 36, 37, 38, ouais. 38. D'accord. Oui, il y en a eu beaucoup avant lui. Mais là, il est vraiment proche de nous, là. Enfin, on est. Non, il est sur le haut de la passerelle. Tu vois qu'il commence à voir de l'agitation. Là-dessus, vous voyez deux personnes s'avancer proche de la rampe. Et vous les reconnaissez facilement comme un appartenant au clan du Scorpion et l'autre appartenant au clan de la Grue. Ils ont l'air d'être certainement des personnes très importantes pour s'approcher aussi près, à tel point que vous pensez qu'ils peuvent même toucher l'empereur. Donc là-dessus, faites attention.
Et au moment où l'empereur commence à mettre le pied sur la rampe, tout le monde se met à genoux. Tout le monde. Bah, nous, moi aussi. Ouais, j'imite. Je pense que vous faites de même. Oui. Ah ouais. Oui. Ouais, évidemment. Et vous voyez l'empereur qui commence à descendre. Les deux samouraïs que je vous ai cités, eux, sont pas au sol, mais ils ont juste le genou plié. L'empereur s'approche d'eux. Il les salue, vénérable Daimyo du clan de la grue et Daimyo du clan du scorpion. Je suis honoré de cet accueil. Et tu vois qu'il a un sourire un peu masqué. Vous sentez quand même qu'il a l'air de cacher son enthousiasme derrière beaucoup de fermeté dans ce qu'il dit. Ou du moins, il a l'air de se fâcher. Là-dessus, les deux protagonistes signalent que mon empereur, vous êtes le bienvenu pour ce tournoi de Topaz et sachez que ce tournoi-ci est en votre honneur. Et tu vois que l'empereur répond non, non, non. Ce tournoi n'est pas mon honneur. Moi, ce tournoi est pour mon épouse, Dame Kashiko. Et tu vois, vous voyez, en levant un peu le front et en levant un peu les yeux, une femme avec un masque, celle qui se tient à côté de lui en ce moment, assez jolie, une tunique rouge pourpre, une sublime couleur de cheveux, une rare beauté, hein. Vous sentez que l'empereur sait choisir ses épouses, et elle tient avec elle l'héritier, c'est-à-dire un taille 39, c'est, qui n'a à peine quelques années. Et toi, Yoritomo, tu sens que la personne à côté de toi, qui est assez massif, pas un type qui est avec vous, ça a l'air d'être un Ida, avec une armure en lourde, etc., te fait une petite blague, simplement en te disant « Voici Poulpe-sama ». Qu'est-ce que vous en pensez de cette rare beauté? Tu vois qu'il te fait un petit coup de coude. Bien. C'est vrai qu'elle a une des lèvres qui pourrait sembler à un poule. Je ne vois pas de ce dont vous voulez parler. C'est le genre de femme qui, quand vous attrape, vous entraîne très profondément. Et tu vois que tout de suite, peut-être que ce qu'il dit a dû atterrir dans les oreilles de quelqu'un d'autre. Il rebaisse la tête. Je réponds pas et je fais comme s'il avait rien dit. Tu fais comme si c'est rien passé en fait. Oui. Tu peux faire une esclandre en disant qu'est-ce que tu dis à la femme de l'empereur. Non, c'est je reste impassible et je ne veux pas créer d'esclandre comme tu dis. D'accord. Donc là-dessus, la dame Kashiko descend aussi avec le fils de l'empereur. Et toute la garde Sipoun en randonnion aussi qui descendent et fait place à une sorte d'escorte autour de l'empereur qui allait faire un bain de foule, mais là les mecs font en sorte de repousser la foule. Il fait quelques saluts, mais il s'avance avec les deux samouraïs qui l'ont accueilli pour aller se rendre dans son château. Le dojo. Pendant ce temps, d'autres samouraïs descendent sans avoir d'esclandre ni même de mouvement de la foule, enfin je veux dire d'encouragement. C'est des samouraïs venant de toute Rokuyat qui a dû se regrouper. Vous reconnaissez un membre du clan du lion, un membre du clan du scorpion, d'ailleurs assez jeune. Vous sentez qu'il est peut-être lui aussi participant au tournoi de Topaz. Et du moins, s'il a été, il n'a pas pu s'inscrire, ça c'est sûr. Ah. Parce que les inscriptions ont été terminées hier. Oui, c'est vrai. Vous avez d'autres membres. D'ailleurs, il y a un membre du clan de la Manse, même plusieurs, que tu reconnais, toi, Yoritomo. Aussi, quelques membres du clan de la grue que notre ami
Doji reconnaît. Et Nirumoto, tu reconnais aussi une dernière personne. Il descend. Vous retrouvez vos chers vos supporters, j'ai envie de dire, à leur descente. Vous les accueillez. Vous leur signalez que vous êtes fin prêt au tournoi de Topaz, que vous avez fait tout ce chemin sans problème. Vous avez fait la rencontre de vos anciens amis. Vous signalez que vous n'habitez pas au dojo. Eux, ils vont habiter au dojo, mais vous habitez dans une petite maison pas très loin des événements du tournoi. Et bon, on va pas faire tout le RP, mais ils vont vous dire qu'ils seront très contents. On se reparlera, il faut qu'ils accompagnent les suites des courtisans vers le dojo et qu'ils puissent avoir le dîner tant escompté. Avec ces quelques jours de voyage, ils espèrent bien manger quelque chose de plus réjouissant que du riz froid et du poisson pas trop cuit. Excusez-moi. Pas de souci. Donc, du coup, on est bien d'accord que la personne que j'ai reconnue, parce que du coup, je n'ai pas entendu, si tu as dit quelque chose, je n'ai pas entendu, que c'était mon maître. Non, c'est ton... Mon meilleur ami. C'est ton meilleur ami. Ok. Ton maître, tu l'as pas croisé. Il n'y avait qu'une seule personne. D'accord. Hop. Ok. Donc, vous allez commencer à suivre les samouraïs. Vous êtes invité d'ailleurs au repas que va être donné pour fêter l'arrivée de l'empereur et non le début du tournoi. Vous rendez avec tout le monde. Donc, c'est une sorte de petit banquet qui est préparé. Il y a une estrade qui s'est construite pendant la matinée. Là-dessus, sur cette estrade, il y a le trône de l'empereur qui va être apporté depuis le bateau. Et avec aussi d'autres petits trônes pour son épouse et son fils. Là-dessus, quelques petites tables avec quelques décorations, avec bien sûr tous les rudiments pour passer une bonne soirée. Vous êtes à ciel ouvert. Vous êtes tous rassemblés. L'empereur prend place. Tous les convives s'assoient où ils veulent. Bien sûr, vous pensez que tout le monde s'assoit avec les personnes de leur rang. Donc vous retrouvez quelques jeunes entre vous. Ensuite, voilà, comme dans les mariages, il y a les plus vieux, les vieux et les jeunes. Et la mariée, pardon, l'empereur et sa femme qui se trouvent sur cette estrade. Et enfin, que tout le monde est à table, l'empereur se lève difficilement. Une personne a pris place à côté de lui. C'est certainement un des conseillers de l'empereur. C'est un membre du clan du lion qui a l'air d'être certainement aussi le chef de sa garde. Il a l'air très agressif vu sa tête. Vous pensez que ça doit être une personne qui doit être très très importante dans le clan du lion. Aucun d'entre vous ne faisant partie du clan du lion ne peut reconnaître cette personne. Et l'empereur commence à rendre hommage à tout le monde qui s'est réuni, à tous les samouraïs qui ont fait le déplacement jusqu'à Tsuma, qu'il remercie aussi l'accueil du daimyo de Doji Satsume. Cette personne-là, c'était la personne qui l'a accompagné. Attends, j'ai Bayushi Kashiko aussi. C'était qui, Bayushi Kashiko? C'est sa femme? C'est sa femme. C'est membre du clan Scorpion, Bayushi Kashiko. Tiens, bah, je te montre le membre du clan du lion, pour te dire un peu la tête. Mais fait, il a pas l'air commode. Belle tête de vainqueur. Et tu vois qu'il remercie honorablement tous les samouraïs qui ont fait leur déplacement, etc. Et une personne
un samouraï qui n'a pas l'air vraiment samouraï, mais il dit aussi à notre invité de marque, le daimyo Ichiro Akitomo, membre du... Enfin, daimyo du clan du blaireau. Hein c'est du blaireau. Un clan mineur. Ah, c'est un clan mineur. Ah oui. Et vous reconnaissez un type que vous avez vu débarquer, mais vous ne savez pas trop si c'était un marin ou si c'était un samouraï. Il était avec une garde et certainement un de ses conseillers. Mais disons que... Il n'a pas l'air de faire très samouraï. Si bien que vous remarquez quand même que la personne, le Doji Satsume, celle qui était en train d'accueillir l'empereur, et le scorpion sont tous les deux assis à côté de lui. Mm-hmm. Ok. Quand vous regardez ça, vous regardez un peu, vous commencez à regarder pourquoi ils sont mis à côté. Vous voyez le membre du clan Scorpion commencer à faire un regard vers vous. Il vous fixe. Et vous avez cette impression qu'il vous intimide sans même vous dire un mot, sans même vraiment le vouloir. Vous commencez à détourner le regard. Et lui-même reprend ses occupations. Effectivement. Juste me rappeler de ne pas venir chercher des noises au clan du scorpion. Celui du vivant. Juste un petit truc pour dire que en temps normal, vous avez vu que sur ma photo, j'ai les cheveux très longs, très très longs. Et que du coup, évidemment, pour cet événement-là et dans les événements importants, j'ai les cheveux toujours attachés de façon très méthodique pour que ce soit vraiment, je sois pas gêné par mes cheveux et tout. Hein, donc c'est des espèces de tresses bizarres qui remontent sur la tête, un chignon géant, quoi. Voilà. Tu t'es coiffé, tu t'es bien préparé. Oui, voilà, je suis vraiment là, je suis nickel, tu vois. Y a pas un cheveu qui dépasse, quoi. Tout autour de vous, de toute manière, il y a un truc très impressionnant, c'est qu'il y a quand même une immense force de sécurité avec des samouraïs qui ont l'air appartenir à l'empereur. Et vous voyez vraiment, vous êtes tous un peu pas au centre de la ville, mais vous êtes à l'endroit de l'événement. Et bien sûr. Il y a des comédiens qui arrivent. Bon, t'en fais pas. Yoritomo, ça va bien se passer cette fois. Ouais, c'est même que la dernière fois. Ça, c'est pas les mêmes comédiens. Donc vous observez ces comédiens. Donc c'est des shugenja costumés. Donc les shugenja des prêtres. Hein, et ils sont en train de commencer à faire des répétitions tranquillement. Quand certains serviteurs vous apportent le repas. Et vous avez des énormes quantités de vivres, vous avez du poisson à profusion, vous avez des petits sushis que l'on mange rarement qu'à certains événements. Vous avez des sauces, vous avez des plats extrêmement parfumés, avec des épices, etc. Du saké à profusion. Vous voyez que des bouteilles sont distribuées à chacune des tables. Et que c'est... Ces comédiens commencent à rejouer des épisodes de l'histoire de Rokugan, donc je vais citer un peu. Donc c'était la bataille de Antei contre le Seigneur Lune et les charges folles du clan de la Licorne contre l'Outre-Monde. Donc des trucs qui font frissonner, c'est des choses tellement épiques qui sont dans les parchemins très anciens gardés par certains des plus grands samouraïs, et des histoires qui ne sont contées que très rarement, mais qui donnent à tout le monde ce sentiment d'appartenir à l'Empire très fort. Et bien sûr, vous avez toujours un petit peu d'enseignement de Shinsei, donc toujours un peu de religion dedans, avec un costume de dragon qui parcourt les rues, si vous voyez.
comme au premier en chinois. Ah. Ah, quelle belle cérémonie. Vous voyez un costume de dragon avec Shinsei, et là le dragon va dans les rues, il commence à voir la population. Là, pendant ce temps, il y a les lanternes en papier qui sont accrochées à toutes les maisons. Vous avez des pétards qui commencent à exploser et des feux d'artifice tirés depuis la maison des produits exotiques du clan des licornes. Et la fête se poursuit jusqu'à tard dans la nuit, même jusqu'au petit matin pour certains. Mais vous êtes raisonnable, n'est-ce pas? Oh ben oui. Avant d'aller se coucher, je rappelle que vous avez prévu peut-être un rendez-vous. Il est vrai que nous avions peut-être prévu de retourner à la maison du saké. Je sais pas si tu t'en rappelles, Moto. D'ailleurs, le Ida, vous l'avez pas vu de la journée. Alors. C'était pas lui qui m'avait parlé. Question. Ah non, c'était un autre. Question, est-ce qu'on considère qu'entre nous, on peut s'appeler par nos prénoms? Ou à chaque fois, ou est-ce qu'on est proche, ou on garde une certaine distance et on s'appelle par nos noms? Bah, moi personnellement, je pense qu'on s'est à peine retrouvé, alors je vous appelle toujours par vos noms. Bah, de toute façon, Moto, on n'a pas le choix de l'appeler par son nom. Oui, non, voilà. C'est, si on est amis. Ah oui, c'est vrai. Moi, oui, non, mais j'ai rien dit. Il a raison. Et oui, c'est vrai. Après, dans le cercle fermé, on peut l'appeler, bien sûr. Tu peux. Tu vois, toi, Yoritomo, mais tu t'en fous royalement de son nom, de son prénom. Bah oui. Mais bon. Oui, du coup, pour revenir, vous pouvez vous appeler comme vous voulez. Je pense que si quelqu'un se sent offensé par la prononciation d'un autre joueur, on en discute, mais on va pas en faire une esclandre, donc c'est pas un problème. Mais continuons. Continuons. Vous avez peut-être un rendez-vous à l'auberge du saké. Tout le monde a rendez-vous à l'auberge du saké. Bah, moi, c'est là la question. Il y a deux personnes. Moto-san. Voulez-vous, veux-tu retourner à cette maison du saké? Eh bien, qu'en pensez-vous autres, Doji-san, Yoritomo-san et Miyamoto-san? Personnellement, j'ai passé une mauvaise nuit hier soir. Je pense que je devrais aller me coucher tôt pour être en forme pour demain. Mais allez-y, je suis un peu exténué. Après la nuit d'enfer que j'ai passée. Quand est-ce que commencent les préparatifs, enfin le tournoi? Quand est-ce que commence vraiment le tournoi? Demain? Demain. C'est vraiment très tôt. Disons que ce sera extrêmement tôt. Disons que. Oui, la raison voudrait que nous n'y allons pas. Il est quelle heure là environ? Il est. Si tu veux, c'est entre 20h et 22h. Bah, je pense que nous pouvons toujours faire un titre pour. Le repas que vous avez fait était extrêmement tôt, avec les festivités qui commencent à 20h, tout ça, avec les feux d'artifice, les pétards, le truc du dragon qui circule dans les rues. Mais après. Après, vous êtes pas obligé de rester. De toute manière, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à danser, à faire la fête. Ici, et aussi d'autres personnes qui ont préféré aller se diriger, dont le père de Moto Temujin, se diriger vers la maison du saké. D'ailleurs, ouais. Moto Temujin, tu vois que ton père a observé où tu t'es assis, et il a bien vu que tu t'es pas assis à côté de lui. Ah! Je l'ai remarqué, du coup, enfin... Ouais, vite fait, mais bon, tu vois qu'il était peut-être bien entouré par le Ida... qui a fait la blague vaseuse tout à l'heure. Que tu as entendu. Pas grave. Oula, il est encore parti? Allez, il y a des problèmes avec Discord. Oui. Oula. Pissa. Qu'est-ce que se passe-t-il? Non, je sais pas. Ah, c'est bon.
Ouais. Il est là, il est là. Toi, Mirumoto, t'as ton meilleur ami? Oui, mais du coup, je vais le voir si on peut se déplacer, bien sûr. Hein, si maintenant on peut déplacer. Oui, donc, tu vois qu'il reste ici et il est très impressionné par le fait que tu sois sélectionné pour le tournoi de Topaz. Disons que c'est bien plus qu'un ami, ce fut un rival de longue date, mais quelqu'un qui sait s'effacer quand quelqu'un est plus fort que lui. Tu comprends qu'il a beaucoup d'esprit, mais ça ouais, bref, excuse-moi de m'en... Bah, du coup, je vais le voir et je dirai un... Okuro, comment vas-tu? Alors, c'est Yokuni, non? Ah, c'est Yokuni, alors, c'est parce que tu m'avais donné le nom. Excuse-moi, alors. Tu m'as dit Kintsugi Okuro. Et en fait, voilà. Togashi Yokuni, c'était un autre bonhomme. C'est Kintsugi Okuro. Ok. Voilà, donc Kintsugi Okuro. Donc là, je l'appelle. Donc Okuro, comment vas-tu? Ah, je vais bien. Kimimitsu. Un peu fatigué par le voyage. C'est vrai que l'air est peut-être plus facile à avoir ici. Oui, c'est vrai. Sur les cours, j'espère que tu seras pas essoufflé. Oh, ben écoute, je vais faire en sorte de ne pas l'être. Et puis, comme tu le sais, je pratique énormément, toujours mes entraînements avec rigueur. C'est bien. Même si, parfois, comme tu le sais, j'ai quelques petits écarts féminins. Ce qui compte, c'est d'avoir un esprit sain dans un corps sain. C'est ça. Et je m'y emploie avec la meilleure des volontés. Tu suis bien l'enseignement de Shinsei. Il faut apprécier les petites choses de la vie. C'est ce qui nous permet justement d'arriver là où tu en es. Et oui. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir retrouver quelques amis, enfin connaissances de mon jeune âge. Et ça me fait plutôt plaisir de les revoir. Ils ont eux aussi... Bien grandi, et ils sont devenus de vrais hommes, si je puis dire. Mmh. Mais toi aussi, tu as beaucoup grandi. Je te rappelle qu'à un moment, c'est moi qui te battais. Et ce fut l'inverse très rapidement. Je pense que tu as toutes tes chances pour ce tournoi. J'irais même parier sur toi. Ah, c'est... Tu me fais vraiment plaisir, mais... Je Après, pense qu'il y a de nombreux... Tu peux me dire quelque chose, si ça t'intéresse. Que veux-tu me dire? Sur le bateau, il y avait un autre participant au tournoi. Un autre? C'est-à-dire? Un membre du clan du Scorpion. Et qui est-ce? Bayoshi Shugai. Bayoshi Shugai. Ouais. Il a été expédié parce que sa tante, Bayushi Kashiko, aurait demandé qu'il participe. Il va falloir donc être prudent. Je pense qu'il garde doit... un œil. Tu sais à quel point les scorpions peuvent être menteurs et tricheurs. C'est ça, fourbe. Je ferai attention. Merci de ton... Celui-là n'a pas l'air de déroger à la règle. Merci pour l'information. Du coup, bah, je te laisse et je vais retrouver... Je vais profiter de ce pas d'un bon lit douillet pour une fois que je n'aurai pas de mal de mer. Je te dis à demain et sois en forme pour les premières épreuves. Je vais m'y employer. J'avais prévu d'aller à la maison du saké ce soir, mais tes mots m'ont fait changer d'avis. Je pense que je vais rentrer et être en forme pour demain. Ouais. Et tu vois qu'il te quitte et tu vois qu'il marche dans le gravier et puis il s'en va. Tu connais bien ton ami parce que il a fait l'école Murumoto, mais il avait l'esprit plus affûté que les autres et une vision beaucoup plus précise. Tu penses que ce serait peut-être le plus grand enquêteur du monde, vu qu'il arrivait à retrouver n'importe quoi n'importe où. Et à déduire des choses... En fait, c'est un Sherlock Holmes.
Ouais, du coup, son avertissement. Son sens de l'approche, je fais confiance. Son avertissement doit être vraiment pris avec intérêt, quoi. Bien que maintenant il soit plus parti sur le tarot de Shinsei et vraiment dans la religion de Shinsei, tu sais que du moins il ne perd pas, il s'entraîne tous les jours et ses capacités, aussi bien au combat qu'à la réflexion, sont quand même assez importantes. Mmh. Et il s'en va. Bah du coup je retourne voir les autres s'il y en a encore qui sont dans le secteur à côté. Oui bah tu as tous tes amis. Et genre sont là et il y a Yorimitomo, toi tu voulais aller te coucher c'est ça? Oui moi je. Ok. Doji. Moi j'accompagnais le côté des autres. D'accord. Toi il y avait tes deux cousins qui sont venus mais tu vois que comme leur bonne attitude ils ne sont pas allés te dire bonjour. Ah oui vous êtes des grues. Hein. Non, il t'a fait un signe de tête et ils sont plus âgés que toi. Tu vois que eux, ils ont l'air beaucoup plus portés sur l'esprit de la lame plutôt que celui du courtisan. Et Doji, tu raccompagnes, vous raccompagnez tous les deux, Yoritomo, jusqu'à la maison. Enfin, jusqu'à la maison qui n'est pas à vous. Et il reste Moto et Mirumoto. Bah, moi, je suis un peu plein d'amertume et de sentiments divers, de tristesse, donc je pense que je vais me retourner pour me coucher. Ah, l'effet de chagrin d'amour est parti. Ah oui. Sache que je dois te le faire que deux fois par jour, et ça dure qu'une heure. Ah, ça dure qu'une heure? Oui. À part, je peux pas le refaire tout le temps, mais je peux. Il y a quand même une limitation à ce truc. Hein. Je pensais que je pouvais m'en débarrasser qu'en dépensant un point de vie. Ah non, ça dure un certain temps encore. Il va être dépressif pendant toute la session. Ah bah, il suffit que je fasse ça, il suffit que je dise t'as une dépression, bah là, mon gars, une épreuve, tu dépenses ton point de vie. Ouais. Bon bah, je vais. Ah, j'ai pas trop envie d'être. D'aller au. Comment ça s'appelle? À la maison du Seke. Donc. À part si Muromoto a vraiment envie d'y aller et qu'il insiste. Je préfère rentrer à la maison. Du coup, bah, moi, ça a été offert par le film. Moto-san, je viens de discuter avec un de mes amis et avec la petite discussion que nous avons eue, je pense qu'il m'a fait changer d'avis et nous devrions, pour ma part, rentrer et reposer. Oui, ce serait plus raisonnable. Et, voilà. Je vous suis, mon très cher Miroto-san. Eh bien, donc sur le trajet, j'en profite et je lui dis écoute Moto-san, mon ami m'a fait part d'une nouvelle assez digne d'intérêt. Je vais la partager avec toi. Il m'a dit que un jeune samouraï un aspirant samouraï du clan du Scorpion était présent sur le bateau. Effectivement, je l'ai aperçu aussi. Et il s'appelle Bayushi Shugai. Et selon lui, il faudra faire très attention, car il a l'air d'être plutôt doué. Et comme tu sais, le clan du Scorpion est assez fourbe. Donc il m'a demandé de me méfier beaucoup de ce participant. Donc je te confie également l'information. Si jamais tu venais à le rencontrer. Mais aucun souci à se faire. S'il était encore sur le bateau, il n'a pas pu s'inscrire. Écoute, de ce que j'ai compris, c'est un... Il vient de la... Alors, tu vas m'aider... Il a fait jouer ses relations. Il a fait jouer ses relations pour pouvoir s'inscrire. Nani? Exactement. Il fait partie de la... Pardon? Non, rien, excuse-moi. Je ne me rappelle plus ce que tu m'as dit, là, comment s'appelait la personne. Il a fait jouer sa relation, dont Bayushi Kashiko, hein, l'épouse de l'empereur. Donc oui, la Bayushi Kashiko, qui est sa tante. Donc tu imagines très bien que l'inscription pour lui est plutôt aisée. Effectivement. Donc, il est bien fort parié que
il nous jouera des tours. C'est ça, donc je merci pense de m'avoir c'est... mis en garde, cher Mia Otterson. Ouais, c'est un plaisir et je pense que je ferai de même avec les autres en arrivant. Pour les autres. Oui, pour les autres. Et donc, vous retournez à la maison, j'accélère la chose, vous allez dans vos futons, vous vous allongez paisiblement en faisant de jolis rêves. Puis, le lendemain, le jour du tournoi arrive. On vous a donné rendez-vous au dojo Kakita pour la première épreuve qui se déroule assez tôt. Vous vous mettez en costume de cérémonie, votre plus beau kimono que vous avez dans votre garde-robe. Très cérémonieux, simple, mais très direct, mettant en évidence les couleurs de votre clan. Avec, bien sûr, comme les joueurs de foot, vous avez le maillot avec l'icône du clan dans le dos. Vous montez tous jusqu'au sommet de... Enfin, jusqu'au... Pardon, sommet, pourquoi je dis sommet ? Jusqu'à la... Jusqu'au dojo. Vous arrivez, vous commencez à vous préparer, il y a des petits vestiaires, hein, là où les participants sont en train de se rassembler. Quand tout d'un coup, Moto, tu vois une personne que tu reconnais. Ida ? Oui, Ida Salvez, certainement peu réveillée. Mais tu vois qu'il a l'air d'avoir passé une nuit très, très folle, certainement. Il s'avance avec ses armes et tout ça, et il te voit et vient te saluer en premier. Oh, bonjour, Henri Dassan. Voilà. C'est bon ? Avez bien vous pris votre bol de riz ce matin ? J'ai eu ton message et apparemment t'es pas venu hier. J'ai pensé que les samouraïs avaient une parole. Mais ça, je trompe. Mes excuses, mais je n'avais pas prévu que mon père nous rejoigne pour fêter. Peut-être l'as-tu. Enfin, l'avez-vous rencontré à la maison du saké ? C'était ton père, celui qui a un bras en moins et qui buvait aussi vite que moi. Oui. D'ailleurs, il a donné un coup de cimetière. Un peu, bon, il a un peu saccagé, mais c'était très drôle à voir. Rien de cassé ? Oh si, je crois qu'il y a eu des meubles cassés, tout ça. Oh, ça ne s'est pas trop abruté ? C'était chez les scorpions. On sait tous qu'ils les ont volés quelque part. C'était pas eux. Et là, en fait, quelqu'un passe discrètement. Et... Ah ! Crise cardiaque ! Tu reconnais Otaku Shiko ? Oh. Ah bah, chagrin d'amour, bim, voilà, bien. Hop, donc tu vois cette personne, tu connais aussi bien que tes amis, apparaître d'un mouvement assez strict. Tu vois qu'elle ne te tourne même pas la tête pour te dire bonjour. Elle se dirige tout droit et commence à aller dans des vestiaires plus féminins. J'ai pas de réponse. Est-ce que tu es décédé ? Sans doute intérieurement, actuellement. Très bien. Là-dessus, d'autres participants commencent à venir. Il y a... Hop, un autre. Vient vous rencontrer. Là-dessus, vous voyez un samouraï qui n'a des vêtements de couleur marron. C'est d'ailleurs peut-être pas son plus beau kimono. Il a l'air d'être un peu rafistolé. Vous remarquez que ça... Disons que ça dénote énormément et que tout de suite, vous pensez que c'est un ronin. Et par contre, il a l'air de venir. Tu vois qu'il a emballé dans une toile ses armes et il se dépose tout ça, il commence à mettre des trucs beaucoup plus soignés, mais ne change pas de kimono.
commence à faire une petite toilette et il voit que vous l'observez. Et vous comprenez bien qu'il a l'air... il n'aime pas trop que vous le regardiez avec insistance. Ida continue à te raconter sa soirée quand l'arbitre principal vous demande de vous préparer. L'empereur est enfin assis, il ne faut pas le faire attendre. La cérémonie d'ouverture va commencer. Eh ben on y va, hein. Allons, on se hâte retrouver notre place pour la cérémonie. Là-dessus, votre cœur bat la chamade quand enfin vous commencez à sortir de ces loges. Vous avez une rangée d'élèves de l'école Kakita qui vous font un couloir pour vous avancer vers l'intérieur du dojo. Et vraiment, vous avez un stress énorme à ce moment-là. Vous jetez un coup d'œil et vous voyez des dizaines de spectateurs réunis pour vous. Et vous remarquez que c'est vraiment ce que Rokugan compte de plus honorable. Est aujourd'hui présent pour vous. Pour voir vos exploits. Et vous sentez qu'il y a votre clan qui a l'air vraiment de vous dire de ne pas perdre, de réussir et d'aller au fond, à fond. Pardon. Tous les spectateurs ont pris un siège et sont mis place. L'empereur se lève encore, aidé par son assistant qui a l'air d'être Akodo Totuli, cette personne-là. Fait rapidement un petit discours, mais s'efface. Il dit juste qu'il est heureux de voir les grands champions s'avancer devant lui et qu'il espère voir des choses spectaculaires et que vous agissez en tant que samouraï et non plus en tant qu'enfant. Il s'assoit et Akodo Toturi explique que cette cérémonie a pour but de retracer les premiers exploits des Kami, des principaux Kami, comme je vous avais expliqué. Il y a eu un tournoi il y a très longtemps, les Kami principaux qui ont fondé les clans majeurs se sont battus dans un tournoi des dieux, pratiquement, si vous voulez, comme Dragon Ball Z, chacun battant un autre et battant un autre. À la fin, la dernière personne qui a été Antai, le premier, fut couronné empereur de Rokugan et tous les autres perdants ont juré fidélité. Et c'est là-dessus que la chose continue et que le tournoi prévoit le duel final qui sera cérémonieux. Et sur ce, je vous laisse avec l'arbitre, alors qui s'appelle... Il a un nom, j'ai pas le nom, excusez-moi. Yoto, il s'appelle Yoto. C'est un Emin, mais c'est, pardon, Miyamoto. Et vous commencez à voir cette personne, donc c'est lui qui va gérer beaucoup des manches et des tournois. Mmh. Du tournoi, pardon. Et là-dessus, vous faites une dernière cérémonie. Et enfin, commence la première épreuve qui est dit par Mia et Yoto. La première épreuve en l'honneur de notre empereur sera le Sumai. Et là-dessus, tout le monde applaudit. Le Sumai, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une forme de lutte très proche du Sumo. Il y a juste quelques lettres qui changent, mais c'est proche du Sumo. Ok. Je vais rappeler les principes du championnat de Topaz. Vous avez plusieurs épreuves. Vous avez, je ne sais plus le nombre que j'avais dit d'épreuves. Si quelqu'un s'en souvient. Et vous devez... Oui, un peu plus d'une dizaine. Et vous avez 5 points. Vous avez 5 points à gagner pour passer le Genpoku et être qualifié pour le duel final. Là-dessus, les épreuves sont souvent des épreuves de 1 contre 1. Mais il peut y avoir des épreuves où tout le monde participe, ou des épreuves où vous pouvez gagner des points sans combattre un autre adversaire. D'accord. Là-dessus, le Sumai, on vous présente ça comme étant une lutte
en 1 contre 1 et qu'il faut pousser son adversaire via des techniques de lutte ou de jiu-jitsu pour le faire soit tomber, soit le pousser à l'extérieur de la zone délimitée par, par un cercle autour de vous. D'accord ? Mm-hmm. Donc c'est comme ça qu'est présenté le sumai. Du coup, il vous apporte un bol et vous allez piocher des jetons à l'intérieur. Alors, est-ce que j'ai mon truc de macro à jetons ? Ouais, j'ai mon truc à macro à jetons. Hop, vous prenez un jeton et celui qui a le même, il y en a normalement deux, et celui qui a le même se battra contre celui qui a l'autre. D'accord ? Ok, alors je... Donc juste là, on peut totalement tomber sur n'importe qui, y compris les joueurs. Ah oui, tu peux tomber sur les joueurs. Ok. Là-dessus, sur une épreuve comme ça, la seule personne que vous voulez pas tomber, c'est le Ida. C'est-à-dire que le gars fait quand même un peu plus que ton poids, c'est déjà un avantage. Alors, disons que par chance, aucun d'entre vous ne tombe sur lui. Ah. Mais par contre, Moto, toi tu tombes sur le samouraï du clan de la grue Doji Kwanan. Donc lui. Je te le déplace. Oui, j'ai vu. Mirumoto, tu tombes sur Bayushi Shugai. Bayushi Shugai. C'est lui. Ah, le Ronin. Enfin, celui qu'on pensait être le Ronin. Ouais. Le scorpion. C'est très bien. Yoritomo, tu tombes sur Doji Aihiro. D'accord. Et les autres se battront entre eux. Donc, dans le sens. Sur... Quoi ? Doji, t'as dit pour Doji ? Doji Aihiro. D'accord. Ça veut dire que Doji Aihiro est contre toi. Ok ! Ah, je crois que c'était l'homme de Doji. Quand on est ensemble. Eh, t'inquiète, tu peux essayer. Alors, c'est de la malchance de tomber sur ces trucs, c'est que vous pouvez être contre, d'accord ? Bien sûr, vous n'avez pas d'avantage et plus que ça à vous battre entre vous. Vous avez tous un point gagné dans le truc, sachant que Doji Aihiro, lui, disons que la lutte... disons qu'il aurait bien voulu tomber sur une fille. C'est ce que je rêvais intérieurement. En fait, t'aurais voulu tomber sur celle qui a l'air un peu plus petite que toi, tu vois ? Parce que, en plus, si tu serais tombé contre le Ida, t'aurais les boules. D'accord ? Sans détail. Alors, on va commencer. Alors, comment ça va se passer la lutte donc pour tout le monde ? Donc, c'est uniquement le vainqueur du duel qui gagnera un point. Alors, oui, c'est exactement ça. Donc là, on est dans du. C'est quoi ? C'est du. Jutsu, du. Alors, il y a différentes manières. Jujutsu. En fait, on va faire le sumai rapide. On va pas faire le truc avec. Bref. Il y a normalement, c'est toute une cérémonie, c'est initiative, etc. Là, on va faire rapidement. Pour pas qu'on perde trop de temps sur une épreuve, déjà qu'il est bientôt 23h. Ouais. Donc, je vais vous expliquer. En fait, vous allez faire un test soit de jiu-jitsu force, soit d'athlétique, d'athlétisme force. D'accord ? Et. Le truc, c'est que vous devez battre de plus de 5 points l'adversaire, d'accord ? Ok. Si vous dépassez les 5 points de l'adversaire, tout de suite vous avez gagné. C'est-à-dire que vous avez plus de force et vous arrivez à utiliser vos techniques pour pousser l'adversaire. C'est aussi simple que ça. Je sais que certains vont crier parce que vraiment, ça peut se jouer à rien. Mais c'est comme ça. On va faire... Même si ça paraît pas réglo, ça va être comme ça que va être fait léger. Ok, si vous faites tous les deux moins de 5 par rapport à votre adversaire, c'est égalité. Et vous relancez le jet. D'accord ? Et on fait ça autant de fois jusqu'à ce que peut-être les deux meurent de fatigue. Ok ? Alors, du coup, tu as dit c'est laquelle qu'on va prendre ? Alors, il y a athlétisme et lequel ? Alors, et l'autre ? Jiu-jitsu. Donc, ce sera jiu-jitsu force. Parce que je ne sais pas si c'est en force le jiu-jitsu. Agilité, c'est en agilité. Ouais, ou athlétisme force. Ok, d'accord. D'accord. Pour ajouter, alors plus fort. Tu rajoutes une compétence jiu-jitsu force. Hein. D'accord, ok. Si tu l'as, hein, parce que si t'as pas jiu-jitsu, tu utilises. Si, j'ai jiu-jitsu. Mais j'ai jiu-jitsu, mais agilité, moi. Donc je dois rajouter jiu-jitsu force. Ouais, rajoute jiu-jitsu force.
C'est vrai que normalement c'est une compétence qui peut être plutôt versatile entre force et agilité. Ok, on va commencer, on va commencer par le moto. Très bien. Ok. Eh bien, je jette mon dé. Alors attends, je prends moi aussi mon dé. Donc tu t'avances vers le centre, tu vois que l'arbitre Yoto commence à faire la délimitation et se met au centre. Vous commencez à faire une salutation honorable et il va dire « Atume !» Hop. Oh. Tu vois que vous commencez, enfin vous voyez tous le premier duel qui se fait. Moto, toi ton kimono, tu es en train de le faire défaire et tu vois que le doji, bien qu'il a l'air plus faible, plus petit que toi, est tenace. Et tu vois qu'il serre les dents et qu'il essaye de te faire pencher dans les côtés, essayer de faire quelques techniques pour te faire projeter. Mais toi, tu tiens bien debout, toi tu es comme la montagne, tu as tes racines plantées dans le sol et tu restes inchangé. Et tu me refais un lancement. Ça, c'est serré là, on les voit, oui. ça bataille ferme. Voilà, oh serré de quoi, oh serré de quoi. Auto, tu fais comme ça, tu le projettes et j'ai envie de te dire Ippon Solnage. Tu le projettes, tu vois qu'il se lève, les pieds ne touchent plus le sol, son dos fracasse le tatami, le projetant hors de la zone. Tu le vois au sol, je te dis, j'ai fait quand même 27, t'as fait 43, t'es dans les étoiles et tu as impressionné tout le monde voyant une rapidité, une force que seul ton clan a pu démontrer. Et l'arbitre te lève la main en disant que moto vainqueur, et tu gagnes ton petit point. Par contre, il est très dégoûté. Ah oui? Ah oui, tu vois qu'il est pas content. J'essaye de pas trop prendre la grosse tête. Mais disons que la foule applaudit énergiquement, et même l'empereur, tu vois qu'il prend ses deux petites mains et qu'il fait un truc, mais ça fait pas de bruit, hein. C'est vraiment un frottement des mains. Comme dans Harry Potter. Bon, tu vois qu'il se relève, Doji, un peu mal au dos, et se rassoit parmi les autres. Du coup, maintenant, on va appeler les deux champions suivants, qui est Yoritomo Toshiro et Doji Aihiro. L'arbitre dit Hajime. Là, il y a un petit dépassement, donc Doji, tu le soulèves avec ta force. Et puis, comme Obélix, hein, tu le poses de l'autre côté, tranquillement. Il s'est débattu un peu, mais voilà, tu as perdu ton point, Doji, sur cette épreuve. Pas étonnant. C'est pas étonnant. on va faire le tour de la finale en dernier. Je vais faire les points. Donc là-dessus, c'est mon bon vouloir. Hein. Les autres, je leur donne si j'ai envie de donner. Je le dis. Oh non, pas le Ida. Voilà. Ce qui me semble normal. Et enfin, Mirumoto Kimimitsu contre Bayushi Shugai. Vous avancez tous les deux au centre. Tu vois que Bayushi Shugai est la même taille que toi, a peut-être le même physique que toi. Il a pas dit un seul mot depuis le début des rencontres. Tu vois que tout le monde discutait un peu entre eux. Mm-hmm. Lui, il ne parlait pas. Il reste la force tranquille. Je t'invite. Ouais, je suis très alerte vu que bon, j'ai été prévenu par mon ami de lui. Et donc je vais faire le jujitsu agité puisque force ne marche pas. Et tu m'avais dit que j'avais une augmentation sur mon prochain jet. Ouais, c'était une augmentation gratuite. Donc je vais la prendre. Ok, donc là, je te dirais que tu réussis ton jet à peu près à plus de 5. Tu auras l'avantage totalement sur lui. Là, sur ton augmentation, en fait, ce que ça va apporter, c'est juste que ce sera plus spectaculaire. D'accord ? D'accord. Donc là-dessus, tu le bats. Tu vois qu'au moment où il dit Hajime, tu le saisis, tu vois qu'il te saisit aussi. Il commence à prendre ton kimono et à le défaire et à tournoyer. Puis toi, tu es très bon, hein. Tu. Et tu lui fais
tu fais une petite rotation et tu le mets au sol. Ça allait très rapide, hein. C'est peut-être le combat qui allait plus rapide après celui de Ida. Et bah du coup, dès que je fais ça, je le salue. Genre le salut de respect, hein. Tu vois qu'il a un peu mal à l'épaule, qu'il se tourne l'épaule et il se remet en place et puis te salue aussi. Comme ont fait tous les adversaires, bien sûr. Vous êtes content, vous repartez avec votre point, votre premier point. Donc là-dessus, l'épreuve est terminée. Vous voyez que tout le monde a applaudi à cet avant-goût des épreuves, mais que bien sûr la journée est loin d'être finie, car la prochaine épreuve sera plus intellectuelle, vous dit l'arbitre, et demande à tous les personnes, tous les, pardon, tous les candidats, tous les pratiquants du Genpoku, pardon, et je sais plus, les participants, de se rendre au vestiaire et d'attendre leur tour pour venir participer à la prochaine épreuve. Donc là-dessus, il y a quelques courtisans qui arrivent avec du matériel. Vous voyez qu'il y a une table qui est installée et vous savez pas trop ce qui se trame, mais vous descendez dans les loges. Vous voyez que vous réunissez tous. Et j'ai oublié un truc, Moto. Je rappelle qu'il y avait ton chagrin d'amour. J'avais oublié ça. Normalement, t'avais un moins 5 sur tous tes jets. Ah, j'aurais dû m'en souvenir, désolé. Non, c'est moi. C'est moi qui aurais dû m'en souvenir. Mais je considère du coup que tu as perdu un point de vide. Et parce que la prochaine épreuve, j'expliquerai comment utiliser le point de vide. D'accord. Donc du coup, j'ai plus le chagrin d'amour, logiquement. T'as plus le chagrin d'amour, mais c'est pour te dire. Ok. Mais tu enlèves un point de vide. Vous retrouvez là parmi les candidats. Vous voyez que c'est les personnes qui ont combattu disent que ce n'est pas une vraie épreuve, que c'était juste une épreuve pour des gens brutaux et qu'il aurait fallu juste avoir de la force pour réussir cette épreuve. Est-ce que c'est les personnes qui n'ont pas de points qui disent ça? Oui, c'est Doji et la fille. Pardon, j'ai pas présenté. Oruko, Izawa fait partie des clans du Phénix, et vous pensez que ça doit être une Shugenja, vu peut-être le nombre de parchemins éblouissants qu'elle se trimballe. Et Matsu Shorishiro doit être aussi une Shugenja. Elle est assez faible. Vous voyez quand même que ça a l'air d'être pas celle qui va réussir les épreuves physiques. Hein. Est-ce que ce sont elles qui sont tombées face aux idées? Alors, la Izawa est tombée contre Otaku. Et oui, la Matsu s'est tombée contre le Ida. Disons que le Ida, elle avait juste porté par le col et transporté. C'était joué d'avance. Tu vois qu'il avait une tête de singe, hein, quand il a vu qu'il était contre elle, tu vois qu'il était plutôt content. Son visage s'est transformé un peu déformé, avec un grand sourire très large, et les narines. Bon. Pour une fois qu'il était légal de tripoter une fille pendant un tournoi, il était pas con. Alors, là-dessus, la première personne qui est appelée, c'est Moto. Moto. Il te demande de le suivre, donc c'est le même arbitre, hein. Tu montes et tu vas à l'extérieur, donc c'est assez caché. Vous voyez que là, tu vois que la salle est un peu plus dans l'obscurité. Ils ont fermé les portes, etc. L'empereur n'est plus là, il a dû partir. Pareil pour sa compagne et peut-être d'autres personnes. Mais Akodo, la personne qui était à son conseiller, enfin la personne qui a l'air d'être très proche, est toujours présent. Et l'arbitre te dit de te concentrer. Il te dit que derrière ces draps, il y a cinq mônes, d'accord. Les mônes, c'est des symboles, d'accord, des clans. Chacun de ces mônes représente un clan, enfin l'icône d'un clan, d'accord. Il te dit qu'il faut que tu reconnaisses au moins
3 des 5 pour avoir un point. En reconnaître plus, tu prouveras juste que tu connais mieux ton sujet. Enfin, que tu connais mieux l'héraldique. Très bien. Très bien. Donc, il te montre les 5 mônes, donc il enlève les draps, et là tu vois des petits cercles gravés avec des symboles. Je vais pas te les décrire tous, mais ça va être un jet de héraldique que tu dois faire. Ok. D'accord. Ouais, je vais te dire aussi, alors, il y a aussi un truc. Oui. Tu as aussi maintenant, je vais mettre en place l'idée des points de vide. Ça veut dire que quand vous utilisez un point de vide, vous rajoutez un G1. C'est-à-dire vous rajoutez un G et vous le gardez à votre total. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que tu gagnes un dé et tu le gardes à la fin. Donc ça augmente tes possibilités, tes chances de le faire. Aussi, le point peut être utilisé pour apprendre la compétence. D'accord. Quand tu auras besoin de faire un G et que tu ne connais pas le G, c'est-à-dire que tu n'as pas de point dans la compétence, tu peux utiliser un point pour avoir la compétence. Elle sera que temporaire, juste le moment du G. D'accord. Ok. Ok. C'est bon pour vous ? Oui, oui. Donc là, tu fais premier lancer. Alors, tu vas m'en faire deux. Là, ensuite, tu m'en fais deux de plus. Bon, deux de plus, d'accord. Mm-hmm. J'ai pas encore regardé les résultats. Faire la surprise pour les deux. Ok. Là-dessus, tu réussis le mône le plus facile, hein, qui représente le clan du scorpion. Donc, facile à déduire, c'est un scorpion. Ensuite, le deuxième est un peu plus compliqué, car il représente une famille d'un clan, d'accord ? Donc, c'est un mône qui détourne l'icône du clan en une icône beaucoup plus particulière, d'accord. Donc pour te donner comme exemple, par exemple le clan du scorpion, il y a une famille qui s'appelle les Bayushi, eux c'est un scorpion mais tenant un voile. Là-dessus tu dis c'est la famille Bayushi. Et enfin là tu tombes sur une icône de clan, tu sais pas ce que c'est. Mais vraiment, ça, c'est un insecte, mais tu ne sais pas quel insecte c'est. Ne serait-ce pas la menthe ? Tu vois qu'il te dit non, samouraï. Dommage, c'était le dernier. C'est le clan de la libellule. Ah, mais t'en indiques 3. Quoi ? T'en indiques 3, non ? Là, ensuite, les deux autres, tu les trouveras pas. Les autres, c'est encore plus compliqué. En fait, tu vas faire 3G. Si tu réussis ces 3-là, et selon les seuils, tu vois, j'ai un petit tableau. Le clan majeur, c'est pas très compliqué à deviner. Le clan, la famille du clan majeur, il faut faire plus de 15. Et encore le dernier, il faut faire 20. D'accord. Je te dis ça, voilà, c'était pour te dire. Ok. Mais tu rates cette épreuve. Et bien le dommage, peut-être tu obtiendras tes points sur d'autres épreuves. Tu redescends, on va faire ensuite le tour de Mirumoto. Donc Mirumoto, même principe. Est-ce que tu as la compétence héraldique ? Tout à fait. Une compétence que j'ai conseillée. Exactement. Donc j'ai la compétence, donc ce sera en entraîné. Vas-y. Donc je le lance. Tu lances 3 fois. Ok. Attends, je refais. Tu peux faire des choses belles, allez. C'est déjà bien. Là, faut pas que tu fasses moins de 15. Je te mets la pression. Non. Je vais pas lui mettre la pression. T'es une machine. Est-ce que tu peux en faire deux de plus ? Bien sûr, je peux. Pour voir si tu les devines tous. Oh putain. Et petit dernier. Ah. C'est parfait, tu les devines tous. Oh, là-dessus, tu es dans
34, tu dépasses le saune du mode personnel. Et tu le reconnais même très bien parce que c'est le mode personnel d'un samouraï du clan de la grue, qui est Doji Satsume. Donc une grue qui est en train de pêcher un poisson. Et tu vois que même la personne que te félicite d'avoir reconnu son mode, bien qu'il le porte sur lui, et tu le vois même en évidence, ce qui était très drôle. Et les autres, c'est le clan du crabe, c'est le clan de la belette, du blaireau, c'est ensuite famille, etc. Je ne fais pas tout le détail, mais tu gagnes ton poids. Et tu vois qu'il te félicite d'avoir trouvé même tous les symboles. Eh bien, je le remercie et je le salue encore une fois. Ouais. Je m'en vais. Tu vois qu'il te dit reposez-vous. Et on va amener maintenant Yoritomo. Donc, même chose, tu vas me faire 3G. Ok. Ce sera beaucoup de G, hein, les épreuves. Hein. Je vous excuser, mais c'est beaucoup de chance. Non. Ah, contrairement à Mirumoto, il n'y a pas de 30 et tu t'arrêtes à un mon d'une famille vassale, une famille encore plus bas que mineure, et tu t'arrêtes là, mais il te dit que c'est déjà très bien, que tu as dû beaucoup t'entraîner dans ton clan, bien que l'un de tes camarades a réussi, lui, à trouver tous les mondes. Et toi, tu dis, waouh, comment il a-t-il fait, c'est incroyable. Doji. J'aurais peut-être plus de chance finalement. Alors. C'est à toi. Donc là, tu te concentres aussi, tu regardes, tu arrives au plus simple, tu commences à faire doucement. Tu réfléchis et tu bloques un peu. Tu commences à te bloquer un peu trop sur le dernier monde et tu as une révélation. À ce moment-là, tu peux remercier peut-être tes ancêtres de donner de l'illumination et tu trouves au final le dernier monde. Donc j'ai passé le point. Hop. Et si tu veux continuer... On va essayer. Ouais, bah c'était... Voilà. Et encore comme Yoritomo, tu n'arrives pas à trouver le dernier mode. C'est trop compliqué. Mais bon. Tu vois que l'arbitre te dit c'est bien dommage pour un courtisan d'Oji. Je vous aurais cru plus instruit. Voilà. Donc j'ai donné aux personnes que je pense qui ont réussi cette épreuve. Et à la fin, la dernière à passer qui est Otaku Shiko, vous êtes tous convoqués à vous rendre à l'extérieur du dojo. Donc vous suivez l'arbitre, plus tout le monde qui s'est réuni autour de la place dans le dojo. Vous avez une limite qui est tracée, donc une limite dans la terre, et votre arbitre vous dit maintenant, pour finir ce début de matinée, votre dernière épreuve sera une course. Vous devez parcourir la forêt de Tsuma, vous devez escalader aussi une des falaises qui se trouvent au loin. Une personne vous tendra une bannière à votre nom et à votre image et vous devez la ramener le plus rapidement possible et si possible en premier. Le premier à venir aura 2 points. Le second et le troisième auront 1 point. Les autres, malheureusement, n'auront aucun point. Et quel sera donc notre compétence mise en
On avance. De la course. Et j'espère que vous allez vous y tirer avant que le avant le... l'épreuve. Oh bah bien évidemment. Sinon elle pourrait vous y être fatale. Oh oui, oui. Vous avez dit pour ça. Ouais. On va pas faire cette la bêtise de se prendre trop. Ouais. Donc vous commencez un peu à vous étirer. Vous voyez que il y a Bayushi, etc. Par contre, je dis ça, il y en a un seul. Vous dites que c'est un malade dans sa tête. Il est en armure. Il va courir en armure. Non, le Ida. Le Ida. Le Ida, oui, pardon. Il va courir en armure. Tu le vois vraiment, il a son armure assez lourde. Hein, c'est pour vous, vous reconnaissez que déjà c'est un poids. Pour lui, tu vois qu'il va courir avec. Wow, c'est normal. Pendant que vous y êtes, vous lui proposez d'aller avec un caillou rempli de terre, enfin avec un sac rempli de pierres. Mais bon. Vous commencez à prendre un kimono plus sportif. Hein. Je dis ça, le kimono cérémonial, vous l'avez délaissé pour un kimono plus sportif. Vous préparez, vous commencez à vous étirer. Et puis tout le monde se met sur la ligne de départ. Et je vais vous expliquer comment va se dérouler l'épreuve. Donc, on aura un départ un peu sprint. C'est-à-dire que là, on va voir qui courra le plus vite sur une petite distance. Après, quand vous allez à la forêt, il y aura des obstacles. Des obstacles naturels, bien sûr. Enfin, quand vous arrivez vers la montagne, ce sera de l'escalade. Du moins, si vous y arrivez jusque là-bas. Et ensuite, au retour, ce sera encore du sprint, etc. Mmh. Compris ? D'accord. Donc, d'accord. Vous êtes devant cette ligne de départ. Vous voyez les autres concurrents... qui sont poussés d'adrénaline, qui sont prêts à détaler au premier signal de l'arbitre. Quand celui-ci baisse le bras et vous dit de partir, et là-dessus c'est la ruée, et vous allez faire le premier jet, c'est un jet d'athlétisme constitution. Donc vous commencez tous à courir, et là il y en a un, mais vous comprenez pas comment il fait pour aller aussi vite, c'est le Ida, mais il sprint. Il commence à faire une... dans une rapidité étonnante, il vous dépasse de loin. Quant aux autres, vous faites un peloton, il y a juste une personne, c'est la Matsu, c'est-à-dire celle-là, pardon, j'ai la bougé. Celle-là, elle est vraiment en retrait par rapport à vous, elle a beaucoup de mal à vous suivre, mais elle reste dans la course, vous continuez tous avec votre peloton à traverser, vous allez commencer à traverser le bois. Okay. Alors, j'étais à mon petit boué-boué. Ok, là-dessus, c'est un terrain plutôt difficile et il faut commencer à faire attention où on met les pieds. Et vous avez en face de vous, sur le chemin, un immense tronc d'arbre qu'il faudra bien sûr sauter par-dessus. Et chose qui vous déplaît, c'est que vous êtes quand même dans une mélasse, un peu de mélange de boue et de résidus de feuilles, etc., qui fait que ça fait un peu de la base. Donc je vais vous demander un jet encore en athlétisme, mais cette fois-ci il sera plus dur que le précédent. Doji, t'étais pas très loin de la gaffe, tu prends ton temps, tu te ralentis pas, et tous ensemble vous escaladez le tronc. Donc les autres vous suivent, tous ensemble vous commencez à vous aventurer dans les bois très profonds, et vous arrivez vraiment à vous orienter, c'est une course toujours, vous êtes tous contre, et à un moment, vous voyez au sol, éparpillé en face de vous, des petites piques de pin, un peu bleu. En fait, c'est un arbre qui pousse dans les régions de Rokugan, dont les épines tombent au sol, formant le truc comme les petites mines avec les pics au-dessus pour crever les pneus des voitures. Ouais, une herse, comme une herse. C'est à peu près la même chose. Okay. Et ça forme un tapis d'épines en face de vous. Et même le Ida, lui qui avait sprinté jusque-là, prend beaucoup de précautions. Tu vois qu'il s'est déjà apparemment blessé au pied parce que vous n'avez pas non plus des grosses protections. Les épines se sont plantées profondément et vous voyez qu'il fait des petites enjambées pour faire attention. D'accord. Il reste sur combien de mètres à peu près ? Il reste, c'est juste à traverser, donc plus loin tu vois qu'il y a la montagne à escalader. Non mais c'est sur combien de mètres les picots ?
tu sais, jusqu'à la fin, donc plusieurs mètres. Donc là, tu peux y aller franchement, si tu veux, quitte à te faire mal, ou à faire attention à tes pieds. Pendant ce temps, les autres, quand vous commencez à vous amorcer sur les pics, vous voyez que le Bayushi Shuga, lui, a l'air de suivre une tracée, et puis arrive à partir en avance devant vous. Quant au Doji, lui, s'est engagé et va finement rattraper le Hida. Donc je vais vous demander à tous de faire un géant d'athlétisme. Moi, je peux dire ce que je vais faire? Oui. Je vais m'éloigner un peu de quelques pas, prendre un élan et essayer de sauter le plus loin possible et continuer ma course. C'est dangereux, ça. Dangereux? C'est ouais. Pour ça que je voulais savoir combien il y en avait pendant... Il y en a assez pour tout le passage, hein. C'est pour ça qu'il faut esquiver et tu sauteras pas... D'accord, ok. Je cours dedans, j'ignore la tu vas me faire un jet d'athlétisme. Je te rappelle, toi, t'es pas gêné par les temps les terrains accidentés. J'aurais pu. Elle est frileux là. Mais j'ai dit que j'avançais de toute façon. Tu avances tout droit, tu t'en fiches et tu vas perdre 5 points tu vas prendre 5 points de blessure que tu encaisses. Tu es là, tu continues à courir. Je crois que 5 points de blessure, ça te fait pas descendre en blessé. Mais par contre, ça va te déranger énormément. Tu vois que ces épines se sont plantées profondément dans ta voûte plantaire. Et que pour l'escalade, faut faire attention. Donc tu restes un peu sur tes gardes à ce moment-là. Mais tu avances tout droit. Doji, toi, tu prends énormément de retard à vouloir esquiver, de te faire piquer le pied. Et tu vois que la Matsu qui était derrière vous te rattrape, arrivant à ton niveau. Et vous commencez tous les deux à prendre du retard ensemble, à vouloir traverser ce dédale d'épines et de ronces. Par contre, Mirumoto et Moto, vous deux, vous faites attention, vous commencez à chercher vos pas, mais vous arrivez à traverser aussi bien que vous rejoignez Doji, Hida, ensemble, vous quatre, vous êtes à l'arrière. Et vous essayez de rattraper Bayushi qui est déjà très très loin, et surtout Yoritomo qui est lui qui vient juste de finir de passer cette épreuve. Et je vais vous demander déjà, vous quatre, de faire un jet en perception s'il vous plaît, enquête s'il vous plaît. Alors Doji et Mirumoto, vous remarquez un peu plus loin quand vous sortez de cette zone d'épines qu'il y avait une corde qui était accrochée autour de certains arbres, qui a l'air miraculeusement d'éviter des points où il y avait des épines. Mais vous attardez pas trop sur les détails, vous continuez à avancer. Et là-dessus, c'est encore une course effroyable qui se déroule. Bayushi toujours devant, suivi de près de Yoritomo, et enfin du groupe de Doji Kwanan avec Hida Fusaya, et Mirumoto Kimimitsu Emoto Temujin. Ça envoie, hein. Ouais. Là, il y a du niveau quand même. Et un avantage pour l'MJ. Et ensuite, encore en seconde position, il y a les trois filles. les deux filles, pardon, Izawa et Otaku. Et encore derrière, il y a Doji et Matsu. Quelle humiliation. Le mec, il a fait un tri complet. Je vais finir par me séparer. Et là-dessus, toi, Yoritomo, tu arrives devant cette falaise immense. Tu vois qu'il faut bien escalader et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et Bayushi, tu ne le vois même plus, il a dû arriver déjà tout en haut. Déjà tout en haut. Je regarde un peu n'importe où pour voir s'il n'y a pas un endroit pour qui permet de passer plus facilement. Ah non, il faut escalader là. Il faut escalader, mais... Ah, mais c'est dangereux. Il avait tellement d'avance que ça, le gars. D'accord. Je te dis que bon, après ça t'étonne pas, il a l'air d'être préparé physiquement aux courses et au sprint. Et toi, tu n'as pas allé très vite à cause de tes blessures au pied, mais tu quand même t'étais en bonne foulée. Par contre, monter, tu penses que c'est quand même pas un montagnard Mirumoto, quoi. Ok. Soyons honnêtes. Donc là, ça va être un peu plus dur. Ça va être beaucoup plus dur parce que ça peut être mortel. Je me pose pas de questions et je commence à monter. Je me dis que c'est comme le Madame Bateau, il est juste un peu plus haut. Il est quand même assez haut et la chute de tout en haut, bon,
Sauf. Je regarde juste s'il n'y a pas une corde qui permet de s'attacher. Non, non. Déjà. Par contre, il y a assez de prise pour que ce soit quand même plus simple qu'une montagne très raide. Et tu vas me faire un jeu d'athlétisme. Et on verra si tu rejoins les autres. Alors là, je t'explique. C'est en deux temps. C'est tu démarres et tu arrives. D'accord ? Donc il y a le premier jet d'athlétisme, voilà, qui est réussi de ta part, où tu vas commencer à t'avancer. D'accord ? Et tu vas faire un deuxième jet pour voir si tu arrives à monter tout en haut. D'accord. Maintenant ou plus tard ? Plus tard, j'attends juste les autres. D'accord. Alors moi, je vais jouer le risque, je vais prendre une augmentation. Moto, tu prends le risque ? Oui, je prends le risque. Ok, d'accord. Je prends le risque. Moto et Mirumoto, vous êtes tous ensemble avec les autres. Devant cette falaise, le Ida, tu vois, qui crache dans ses mains et commence à vouloir, comme un singe, il essaie de monter. Ah oui, non, mais là, fallait pas. Ah. Ah là là. Mirumoto, tu peux faire le geste. Question. En sachant que je suis un montagnard, est-ce que j'ai pas normalement quelque chose qui fait que je suis quand même plus à l'aise que les autres? Alors, toi, je suis un Mirutomo quand même. Plateau. Un montagnard du plateau. Voilà, t'as dit juste avant un Mirumoto, t'es pas un Mirumoto, t'es pas de la montagne. Alors, et moi j'en suis. Mirumoto, il y a c'est comme partout, mais tu sais, c'est comme si je te dis, les Auvergnates savent monter sa famille. Ouais. C'est pas parce que tu vis à côté des montagnes que tu sais faire du ski. Mais bon, bah, en fait, il y a une spécialité chez les Mirumoto qui sont les montagnards, et les mecs, c'est les sprinteurs de l'escalade. Eh bien, voilà. C'est pas trop mal, ouais. Sans avoir la compétence et en essayant de faire un peu, ouais. T'as un peu joué dans les montagnes, tu sais un peu escalader, et celle-là, elle est pas trop compliquée. Voilà. Par contre, tu vois que Moto, lui, il a pas l'air d'avoir l'habitude de faire, tu vois que généralement les obstacles, il les contourne. Là, pour une fois, tu marches un dans son chemin. C'est un peu plus dur, donc Moto, tu peux voir ensuite l'arrivée de Otaku Shiko qui te passe devant. Sans te dire un mot, tu commences à escalader et toi, tu vas me retenter le jeu juste après. Doji Aihiro, juste après, avec Doji Aihiro en même temps. Donc du coup, si j'ai pris une augmentation première, je l'ai pas d'office deuxième. Hein. Ah non, tu l'as pas en deuxième. Ok, ouais. Tu peux le reprendre, tu peux en reprendre. D'accord, oui, tu peux, d'accord. Tu peux en prendre même deux si tu veux l'augmentation. Yoritomo. On va repasser à toi qui a commencé à escalader et qui est déjà un petit peu plus en avance. Tu vas me faire ton petit jet final. Pas d'augmentation, hein. Est-ce que je peux y arriver entier? Ah, tu galères un peu. Disons que les bras sont en train de lâcher. Tu trembles et tu regardes le sol. Oh, chose qu'il ne faut jamais faire en fait d'escalade. Tu as un peu les vertiges. Et tu restes prostré. Ah ouais. Alors je regarde si t'as pas un désavantage que je pourrais utiliser. Non, t'as pas de désavantage intéressant. Phobie du vide. Ah non, okay. J'ai pas pris ça. Donc là-dessus, le Mirumoto a le temps de te rattraper et Mirumoto, tu peux faire ton jet pour escalader. Pour terminer l'escalade. Tu vois que toi, tu y arrives parfaitement. Tu finis. Et au passage, en passant à côté d'Hirotomo, je fais « Allez, Hirotomo-san, avance !» Tu vois qu'il est en transpiration, tu vois qu'il est soufflé, tu vois que les muscles sont bandés et qu'il se met dans une position, disons, très peu avantageuse. Et un samouraï ne connaît pas la peur. La peur, c'est mort, c'est un sacrilège. Qui te dit j'ai peur? Je suis fatigué, je suis assez mal. Par contre, celui qui souffle dans son micro devrait arrêter. C'est Moto, il en peut plus. C'est Moto, lui. Ouais, il est soufflé. Il est toujours là en bas à la première. En fait, elle était en train de faire les jets des autres. Donc, le Ida, lui, il est au même niveau que toi, Yoritomo, il a du mal à avancer. Par contre, le Doji commence à vous rattraper et commence à prendre de l'avance. Et toi, en fait, Mirumoto, tu arrives devant un type qui est là. Style un peu moine. Et te tend une bannière. Tu t'en saisis. Tu lui demandes. Maintenant, il faut que tu redescendes.
Ok, c'est léger inverse, donc c'est pareil. Je vais juste revenir du coup maintenant à Moto et Doji, qui sont tous les deux au pied de la montagne. Et un jet d'athlétisme pour vous deux. Et bien je joue qui te double, encore une augmentation. Vas-y. Allez, j'ai pas subi une correction assez grande la première fois. Ah vas-y, vas-y. Oh, j'ai peur. Ouais, tu peux. Hein. L'augmentation, comme vous te permet de monter. Par contre, Doji, toi, tu y arrives. Tu commences à prendre ton petit pied d'escalade. Tu vois que t'as fait le même jet que Doji et qu'il a réussi. Parce que t'as pris une augmentation. Doji, tu commences à avoir un monde. Il commence à avoir beaucoup de monde là-dessus. Sur cette montagne. Et on va revenir du coup à Yoritomo. Toi, il te reste juste quelques marches avant d'arriver au sommet. Murumoto a déjà saisi et lui, il va redescendre. Moto, t'es même pas dans l'ascension. Et Doji, tu es en train de monter. C'est bien hein, de faire de la gymnastique sur tout le monde. Donc Yoritomo, on commence par toi parce que c'était toi qui étais en avance. Mais là, t'as pris un peu de retard. Tu vas faire ton jet. D'accord. En espérant que cette fois-ci, les encouragements ne t'atteignent pas. Et tu flanches, et tu flanches, et tu vois que tu commences à rester dans cette position qui t'épuise. Et tu commences à avoir un petit peu peur de ce qui peut se passer. Comment tu vas faire pour redescendre? Tu lâches. Voilà, j'ai prise. Mirumoto. Oui, bien sûr. Mirumoto, toi, t'as juste besoin de faire un seul jet. Donc, vas-y. Pour redescendre tout en bas. C'est pour voir si tu te casses pas la gueule. Hein. Non, mais j'attends c'est bon. Hein, c'est dit là, pour réussir. Tu commences à descendre doucement, mais sûrement. Et tu prends de l'avance sur tout le monde. Hein. Là-dessus, tu vois qu'il n'y a personne qui est encore monté tout en haut. Et tu vois qu'au sol, il y a toujours Moto Temujin qui est encore. Il n'a pas encore commencé l'ascension. Il y a quand même Shuga qui est. Enfin. Bayoshi qui est devant, non? Bayoshi, non? Bah, Bayoshi, il est plus là, hein? Oui, bah voilà, il a continué, lui, non? Ah, oui, certainement, là, tu l'as pas vu, donc. Ouais. Il est en train de boire un petit thé à l'arrivée, là. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça, c'est que. C'est pour être sûr que je suis pas le premier, je suis le deuxième. Pour l'instant. En fait, le problème, tu n'as pas vu Bayushi depuis qu'il est sorti de la forêt. Donc, d'accord. Peut-être qu'il est allé abandonner, et tu l'as pas vu. Donc, tu sais, ah, pour tu moi, oui. Plus. Oui. Alors, je reviens. Toi, tu es en train de. Tu fais ta descente, t'es même tout en bas. Moto. Allez, je tente. Sans l'augmentation. Je prends 28 augmentation. Le mec qui prend pas d'augmentation à ce moment-là, tu vois? J'appelle ça le coup du génie. Là t'aurais pris 4 augmentations. Ok. Mais arrêtez, vous êtes méchant. Là-dessus, Doji, toi tu vas me faire un G aussi. Alors, est-ce que je vais me casser la gueule? Pas probable. Oh Doji, Doji. Doji, tu étais en train de monter. Et tu étais en train de rattraper Otaku Shiko d'ailleurs, qui est juste devant toi, quand tout d'un coup, une pierre te tombe directement dans la tempe, ce qui t'assomme un peu. Otaku Shiko a le pied qui tombe, et vous tombez tous les deux, à une certaine hauteur. J'accuse la triche, bien sûr. Et tu te sens porté dans le vide, et tu vois que tu es même dans le vide. Quelqu'un t'a attrapé par la tunique, tu es pendouillant, et c'est Otaku Shiko qui t'a rattrapé alors que tu allais tomber une chute mortelle. Mais elle-même s'est fait rattraper par Moto Temujin, qui a pu escalader très vite en voyant la chute arriver. Et l'ensemble fait que tu as été sauvé par deux licornes, Doji et Aihiro. Et tu reprends ton ascension avec les deux. Quel malus! Otaku Shiko te dit de faire plus attention où tu mets tes mains. Tu veux pas avoir la mienne dans ta gueule, mais c'est une autre histoire. Sorry, c'était une réplique de film.
Et je finis. Yoritomo, tu vas me faire ton jet aussi. Le dernier. Parce qu'on va pas passer la nuit là-dessus. T'es. Chacun son rythme. Moi je dis. Moi je dis Voilà. Ah. Il réussit. Toi, tu arrives à aller tout en haut. Tu vois que le Doji, lui, est déjà en train de repartir vers la course. Le Ida te suit de très près. Tu saisis ta bannière et tu redescends. Donc là, tu vas me refaire un jet pour voir si tu ne casses pas la gueule. Moto et Doji, vous allez me faire un dernier jet pour voir si vous montez tout en haut. Vous avez du coup plus d'avantages à réussir. C'est plus simple que les autres à réussir à monter puisque vous prenez plus de temps voyant que les autres prennent de l'avance. Ok. Et surtout que vous êtes en groupe, vous marchez un peu dessus. Ok. Allez, Doji. On croit en toi, putain. On croit au 30. Il a plus d'ongles. Tellement il s'est accroché. Tu sais. Moto à me faire monter à sa place. J'ai pas entendu, qu'est-ce que tu as dit? Oh, j'ai 10 ans pour forcer Moto à me prendre à me faire monter. Bon, Doji, toi tu seras pratiquement dernier à monter tout en haut, transpirant. Tu vois que déjà le temps que tu mets à monter, les mecs ils ont déjà le temps de faire l'autre épreuve de l'après-midi. Donc là-dessus, transpirant, etc., tu vas arriver certainement dans les derniers. Par contre, Moto Temujin et Yoritomo, vous redescendez. Donc Moto, toi, tu prends ta bannière, tu redescends. Tu te retrouves à la 5e place. Yoritomo, tu te retrouves à la... Non, pardon. Tu te retrouves à la 6e place, Moto. Yoritomo, tu te retrouves à la 4e place. Et apparemment, ça doit se disputer les trois premières entre Mirumoto, Doji, Kuanan et certainement Yushi. Mirumoto, toi, comme tu as toujours de l'avance et que j'ai noté... tu vas me faire un jet du coup encore en athlétisme. Cette fois-ci, est-ce que tu prends des augmentations ou non? Alors là, c'est quoi? C'est le chemin inverse? C'est quoi? C'est le sprint, pardon. C'est le sprint au final, c'est pour aller à la fin. Ouais, bah écoute, s'il y a un jet, je vais prendre une augmentation parce que. C'est, voilà, on verra bien de toute façon. D'accord, tu prends pas de points de vide? Ouais, allez, je tente tout. Je vais point de vide. On donne toutes tes chances. Voilà. Toutes tes chances. Allez. Ça et une augmentation. Soyons fous, il faut être joueur. Oh punaise. Ah. Putain, alors. Et je suis meilleur sans. Oh mon dieu, il y a le cheval de moto. Là-dessus. Tu commences en fait à reprendre ton rythme, tu commences à courir doucement et tu commences à voir vraiment des personnes galérer derrière, mais il y en a un qui te poursuit sur tes talons, c'est Doji Kuanan, et qui commence vraiment à te rattraper et talons fesses vouloir te dépasser. Et je te dis qu'il même il te dépasse de peu parce que lui il fait 31. De peu. Il commence à sprinter et on va finir là-dessus. Je vais pas faire le total des jets, mais vu ce que vous avez fait au final, Mirumoto, tu te retrouves à la 3e place. Doji Kuanan se trouve à la 2e place. Et Bayushi Shugai, lui, vous attendez tranquillement à la 1ère place. Et ben, en fait, je sens la triche. Tu vois que déjà, il a dû passer ça il y a une éternité parce que. Il était en train même de se reposer tranquillement. Il était en train de discuter avec de jolies courtisanes de sa majesté. Et vous arrivez en transpiration alors que lui a l'air frais comme un garçon. L'arbitre te signale ta place et te donne un point. Sachant que le premier a 2 points, je rappelle. Ouais. We'll be right back.
Thank you.